L'hôpital Nasser de Khan Younes, le plus grand encore en fonctionnement à Gaza, en plein chaos alors que les forces israéliennes y ont lancé l'assaut jeudi. Des milliers de personnes y ont été évacuées et plus de 460, dont près de 200 patients, transférés dans une aile de l'hôpital sans eau ni nourriture, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Selon l'armée israélienne, trois combattants du Hamas impliqués dans l'attaque du 7 octobre ont été trouvés dans l'hôpital. Des otages y auraient été retenus. If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the hospital in the first place. Hamas started this war, Israel will end this war. Alors que l'armée prépare son offensive terrestre sur Rafah où 1 400 000 Gazaouis ont trouvé refuge, ces images satellites suggèrent que des terrains de la périphérie sont préparés pour une évacuation de grande ampleur au risque d'empirer la catastrophe humanitaire en cours.